Bonjour, je m'appelle Hugo Bourlier, je suis en bac pro métier de la sécurité et je suis ici pour faire des tours de magie pour la journée de l'élégance. On m'a proposé au début de l'année de faire partie de la journée de l'élégance pour faire ce que je fais et j'ai accepté. Je suis passionné depuis 2 ans maintenant, j'en fais assez régulièrement, je prends du temps pour en faire. Je le refais. Voilà. Oh, vous n'allez pas vous cacher tout de suite. C'est bon pour moi. Allez. Après, elles sont venues me dire que j'avais été vraiment bête de le prendre comme ça, que ce n'était pas grave ce qu'ils avaient dit, que c'était pour s'amuser. J'ai fait comme si je comprenais, mais en fond de moi, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, toujours pas. Zora est arrivée avec un bol sur la tête pour avoir la peau. Voilà ce qu'elle a dit. Je croyais que c'était beau d'être une femme. J'y avais cru dans les yeux de ma mère. J'ai découvert que ça pouvait être une maladie, honteuse, qu'il faut faire oublier pour pouvoir vivre tranquille. Je ne dis même pas respecter, je dis tranquille. J'ai vu des filles se mettre à parler comme ces garçons qui nous gâchent la lumière. Je les ai vus s'habiller comme eux, prendre leur allure, leur langage, pour être acceptés. Le travail qui nous incite à poursuivre l'œuvre qu'on réalise ici depuis plusieurs années, qui consiste à faire une œuvre importante sur le bien-être, c'est-à-dire comment on peut travailler dans de bonnes conditions en étant bien dans son élément, en étant bien dans sa formation. On sait que le savoir-être des élèves, le savoir-être des élèves, c'est quelque chose de très important, aussi important que le savoir cognitif, aussi important que le savoir-faire. Et ici, au lycée Ampère, nous essayons de rapporter les trois à la fois. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce projet a été réalisé et qu'aujourd'hui, donc, l'aboutissement, c'est l'inauguration de cet espace zen que nous allons réaliser tous ensemble et pour lequel je vous remercie d'être tous présents, les uns comme les autres. Voilà. Ce jardin zen est ouvert et je pense qu'on peut unir dans un tonnerre d'applaudissements tous les participants de ce projet. Il y a 20 ans maintenant, mes parents se séparaient. 15 ans compris, pas de dispute, un an, mais de silence. Et à l'image de Noé, je devais fuir mon déluge. Depuis, je me sens comme une réfugiée, d'une patrie vers une autre, avec ses propres codes, ses horaires de repas et ses propres exigences. En définitive, je passe mon temps à changer le temps. C'est où le lycée en père ? Vendôme. Vendôme ? Putain, mais c'est un truc pourri ça. Mais c'est quoi Vendôme, mec ? On est où là, putain ? Elle est où la sortie, mec ? Mmh.
en obligeant en inflamme, résidence. Au lieu d'observer une flamme, je vous demande d'observer deux flammes. Comment faire pour observer deux flammes? Il suffit simplement d'observer sa flamme en louchant. Le but de cet exercice, lorsque vous louchez en regardant la flamme, c'est que les deux flammes restent immobiles, statiques. Si les flammes bougent, si les bougies s'écartent, si les flammes s'écartent ou qu'elles se rapprochent, ça veut dire que vos yeux bougent. Essayez de voir les deux flammes bien immobiles. Lorsque les yeux piquent, comme le premier exercice, fermez les yeux. You know their Scottish cakes? Yeah? You didn't know? Okay. Something to drink? Yep. Sparkling water? Yeah, sparkling water. Half a glass or four? Four. And you drink, okay? Thank you. We all count on you. Oh, this. There you go. Not so much. Oh, this is Christine. You know? Yeah, I know. Typical. No way. And what other languages do you speak? French, Spanish. Spanish, yeah. And Chinese a little. Mandarin or Chinese? Chinese. Okay. Vous êtes prêts? Non. Eh ben lui, il n'est pas prêt non plus. Ça marcherait pas. Bah regardez-moi ça, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Après, on a des vidéos aussi, si vous voulez. On va vous montrer. Alors, ça vous impressionne, hein? Ouais, hein? Bon, mais ça marche, finalement. Ah bah voilà. La banane. D'accord? On prend le temps de montrer des belles choses qu'on sait faire. Bon, on commence d'accord? À faire un signe. Et madame, par exemple, si vous juste équilibrer, on fait la place, j'ai oui, bah, on fait un signe.